manchette aujourd'hui, un deuxième roman pour Sophie Lorrain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 18 juin. On débute par une nouvelle qui touche le gouvernement du Québec. Le gouvernement québécois souligne la précieuse contribution de bénévoles dans la région de Lanaudière. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, et la ministre du Tourisme, ministre responsable de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, soulignent l'engagement exceptionnel de bénévoles qui ont été honorés dans la région de Lanaudière dans le cadre de la 24e édition des prix Hommage bénévolat Québec. Il s'agit de Michael Saint-Georges, dans la catégorie « Jeunes bénévoles », le prix Claude Masson, et de Marie-Thérèse Brousseau, dans la catégorie « Bénévoles ». Mis en place en 1998, ces prix permettent de reconnaître la part considérable de personnes et d'organismes bénévoles au sein de leur communauté. Cette année, 291 candidatures ont été reçues. Le comité de sélection, qui avait la tâche de choisir les lauréats, était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson et des organismes suivants, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec et le gouvernement du Québec. On passe maintenant à notre manchette, Sophie Lorrain, un nouveau roman. En effet, Sophie Lorrain, auteure, journaliste et rédactrice, a écrit « En route vers Nowhere », son premier roman en 2020, vendu à plus de 10 000 exemplaires. Son deuxième roman s'intitule « Fausse route ». Il est sorti en librairie le 16 juin dernier. On écoute Sophie Lorrain au sujet de ce nouveau roman. Donc, justement, il y a ton deuxième roman, Fausse route, que j'ai ici, qui est sorti, il vient tout juste de sortir en librairie, je pense que c'était le 16 juin. Qu'est-ce que ce roman-là raconte? Dans Road Bar Nowhere, on découvre Sarah et Sébastien qui partent en road trip. Puis on découvre aussi Marjorie et Jean-Philippe qui sont leurs colocs respectifs à Sarah et Sébastien. Et Fausse route, en fait, ça parle de Marjorie. C'est vraiment l'histoire de la meilleure amie de Sarah. Dans Road Bar Nowhere, on découvrait le parcours amoureux de Sarah avec des retours dans le passé. Okay. Puis dans Fausse route, c'est le parcours amoureux de Marjorie qu'on découvre. Donc, l'histoire débute quand Sarah et Sébastien partent en road trip. Marjorie est à Montréal. Elle se demande un peu ça va être quoi un peu les prochaines semaines, tout ça. Elle se met à passer beaucoup de temps avec Jean-Philippe, justement le coloc de Sébastien. Donc, l'histoire débute là. Marjorie se remémore un peu, se dit, mon Dieu, Sarah et Sébastien vont revenir, puis ils vont être en couple. Moi, je suis toute seule. Qu'est-ce que j'ai, moi? T'sais, qu'est-ce qui va se passer un peu de ce côté-là dans ma vie? Donc, c'est un peu la quête de Marjorie qui se remémore ses amours, qui cherche un peu l'amour et qui se cherche un peu au travers de tout ça parce que l'école est sur le point de finir, la vie professionnelle s'apprête à débuter. Donc, elle cherche un peu à savoir aussi elle est qui, qu'est-ce qu'elle veut et où ça s'en va un peu tout ça, sa vie. Voilà, allons maintenant à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison,
que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir. P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands! Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 18 juin, mais également pour le 19 et le 20 juin, samedi et dimanche. En ce 18 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Louis Darvaux et à Nicole Roque-Ouellette. 19 juin, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Chantal Boisjoli. 20 juin maintenant, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Tranche-Montagne et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Suzanne Ricard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 18 juin, ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant à la suite de la rencontre que nous avons faite tout récemment, là, ces jours derniers, avec la direction du Festival de la Naudière. Il a été question de programmation. Donc, comme souligné hier sur nos ondes, le Festival de la Naudière dévoilait tout récemment, sa programmation pour l'été qui vient lors d'une conférence de presse. Nous nous sommes donc entretenus, rappelons-le, avec Renaud Loranger, le directeur artistique à ce sujet. On écoute M. Loranger. On est très heureux de pouvoir annoncer un festival. On aura un festival quand même de grande dimension. 10 concerts à l'amphithéâtre, 5 concerts dans certaines églises là, de la région de la Naudière, comme c'est la tradition au festival. Il y aura aussi une série, ça c'est nouveau, une série de prestations musicales gratuites à l'extérieur qu'on appelle les promenades musicales un peu partout dans Joliette ou dans le Grand Joliette, en fait, là, dans des parcs ou à d'autres endroits. C'est sûr que la situation générale, comme vous l'imaginez, fait en sorte que notre travail de programmation est un peu compliqué parce que normalement au festival, on reçoit beaucoup d'invités de l'étranger, des artistes qui viennent chez nous pendant l'été. En ce moment, c'est très compliqué, voire impossible, mais on est très heureux parce qu'on peut compter vraiment là, sur la crème de la crème de la crème des musiciens canadiens, québécois et canadiens. Je pense là, rapidement à l'Orchestre symphonique de Montréal, évidemment, qui est un partenaire de très longue date du festival. L'Orchestre métropolitain qui sera là aussi avec Yannick Nézet-Séguin. Les Violons du Roi de Québec qui seront là pour 2 concerts. C'est l'occasion aussi d'offrir à un certain nombre de musiciens canadiens la possibilité, ou en fait leur premier concert chez nous au festival. Donc c'est le cas d'au moins 3 ou 4 solistes, instrumentistes, violoncellistes, violonistes, clavecinistes qui se sont jamais produits au festival. Donc, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles musiques, de musiques que les gens aiment, que les gens connaissent. Puis c'est vraiment l'occasion, là, j'espère, en tout cas, de sortir un peu là, de chez soi, finalement, puis de se dire, bon, on y va, on en profite. C'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur, puis on vit vraiment là, dans le moment présent. Exact, ça va faire du bien après la période qu'on a eue de juste pouvoir écouter de la musique et profiter d'être enfin dans un événement présentiel. Puis d'être à l'extérieur, il ne faut pas oublier, l'amphithéâtre, c'est à l'extérieur. Hein, je veux dire, il y a tout un protocole sanitaire, évidemment, qui est en place. Là, les gens n'ont vraiment pas à s'inquiéter par rapport à ça. Des précautions très sérieuses qui sont prises à toutes les étapes, à tous les niveaux.
Mais encore une fois, je pense que le fait d'être à l'extérieur, on va souhaiter qu'il fasse beau, évidemment, mais ça devrait vraiment rassurer tout le monde. Effectivement. Puis, quels ont été justement les défis d'une telle programmation? Vous en avez parlé un peu avec les artistes à l'étranger, que c'est plus difficile, voire impossible, mais... J'ai tenté évidemment de... Vous savez, quand on un festival, c'est ça a ça de particulier. Je trouve que toujours, c'est comme une espèce de combinaison ou de constellation de gens qui se retrouvent à Joliette pendant, disons, 3, 4, 5 semaines. Puis, il y a des possibilités qui se présentent à nous dont on sait qu'elles ne se présenteront pas nécessairement automatiquement l'année d'après ou 2 ans plus tard, mm-hmm. ou enfin. Donc, quand on a une situation comme celle qu'on traverse en ce moment, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai essayé le plus longtemps possible de tenir tout le monde ensemble en disant, écoutez, il faut attendre. Mm-hmm. Peut-être que les choses vont quand même s'améliorer. Peut-être que les modalités d'entrée au Canada vont s'assouplir à temps. Mm-hmm. Puis ça va quand même nous permettre là, de recevoir certains invités de prestige. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Donc, dans les dernières semaines, on a reporté, disons, l'annulation, il ne faut pas l'oublier, là, en 2020, on avait dû annuler la saison complètement. On avait réussi, même à ma propre surprise, à en reporter à peu près 80 % en 2021. Mais bon, plus les semaines passaient, là, au cours du printemps, surtout, on a commencé à se dire, ouais, bon, c'est pas si prometteur que ça. Mais voilà, j'ai attendu vraiment jusqu'au dernier moment. Puis là, dans les dernières semaines, on s'est dit, bon, OK, pas grave, la situation est telle qu'elle est, personne ne peut rien. On reporte autant que possible encore vers le futur. Mm-hmm. Puis on en profite pour faire travailler le plus de musiciens de chez nous possible. Faut pas oublier là, que la situation qu'on traverse, ça a frappé le secteur des arts vivants vraiment de plein fouet. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui travaillent très peu en ce moment. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas du tout encore, là. Mais même ceux qui travaillent quand même très peu comparé à en temps normal. Donc, on s'est vraiment attaché à réunir ceux qui étaient disponibles, ceux qui allaient être au pays aussi, hein, parce que c'est ça, même pour les Canadiens, c'est compliqué d'entrer au pays, il faut faire les quarantaines. Il y a toujours une quarantaine de 2 semaines. Exact. André Hamelin, le pianiste québécois qui va être avec nous, mais qui vit aux États-Unis, lui va faire notamment une quarantaine de 2 semaines pour jouer ses concerts Beethoven avec Yannick et l'Orchestre métropolitain. Bon, c'est un processus complexe, mais encore une fois, en bout de ligne, on est très heureux, on a une très belle saison, puis encore une fois, juste la possibilité de faire débuter chez nous des artistes importants canadiens qui ne se sont jamais produits au festival. Mmh. C'est une grande chance, c'est un grand privilège, puis je pense encore une fois là, qu'il faut... La Sûreté du Québec, maintenant, le service des enquêtes, des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, a mené une opération relativement de la contrebande de tabac. Ça s'est déroulé le 15 juin dernier à Joliette. Les policiers de la SQ ont réalisé 2 perquisitions, en plus d'interpeller donc 2 personnes de 48 et 47 ans qui seraient impliquées, ces 2 personnes, dans la contrebande et la vente de tabac. Ces individus opéraient surtout dans la région de Joliette et de Rawdon. Ces mêmes personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors de cette opération, les policiers ont saisi 30 800 cigarettes de contrebande ainsi qu'une somme considérable d'argent, a-t-on laissé savoir à la Sûreté du Québec. Également, toujours au sujet de la Sûreté du Québec, donc de la SQ, à l'occasion de la semaine, de la sécurité nautique, semaine qui se déroulera jusqu'au 22 juin prochain, les policiers de la Sûreté du Québec profiteront de cette période pour intensifier leurs interventions en matière de sécurité nautique sur les plans d'eau du Québec. Les patrouilleurs nautiques, donc de la SQ, travailleront en étroite collaboration
avec leurs partenaires afin de sensibiliser les plaisanciers à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur les différents plans d'eau du Québec. À l'approche de la grande saison estivale des vacances, il est donc important de rappeler les lois et les règlements en vigueur aux plaisanciers. Et ce, afin de prévenir les collisions avec blessés graves, voire mortels. Voici quelques conseils de sécurité pour revenir à bon port en toute sécurité. Quoiqu'il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation, même s'il s'agit d'un bateau à moteur, les plaisanciers qui consomment de l'alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de blessures en plus de s'exposer aux sanctions prévues par le Code criminel. Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d'alcool à bord d'une embarcation puisque certains facteurs comme le soleil, le vent, les mouvements du bateau soumis aux effets des vagues peuvent intensifier les effets de l'alcool lorsqu'on est sur l'eau. Il est primordial de naviguer à une vitesse sécuritaire pour éviter tout incident. Utilisez les facteurs ci-dessous pour déterminer la vitesse sécuritaire. La capacité de voir devant vous, la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans des conditions de brouillard, de brume, de pluie ou d'obscurité. Le vent, l'eau et les courants. La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction. Le nombre et le type de bâtiments exploités près de votre embarcation. La présence de risques à la navigation comme les rochers, les souches d'arbres, etc. En tout temps, les plaisanciers sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu'ils naviguent sur l'eau. Voici quelques autres consignes de sécurité. Anticipez les manœuvres imprudentes des autres plaisanciers. Gardez une distance raisonnable avec les autres embarcations. Soyez attentif aux signaux sonores des autres plaisanciers. Manœuvrez adéquatement et rapidement lorsqu'une situation problématique survient. Pour préparer vos sorties sur l'eau, avoir l'équipement obligatoire à bord de l'embarcation et vérifier l'état avant l'état de ces équipements et de votre embarcation, donc avant le départ. Les plaisanciers sont dans l'obligation d'avoir un gilet de sauvetage à l'intérieur de tout type d'embarcation. Bien que le port du gilet de sauvetage ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé qu'il soit porté en tout temps et il pourrait vous sauver la vie. Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir, on devrait toujours faire cela. Avoir avec soi une carte des plans d'eau au cas où la technologie ferait défaut. Aussi, informer quelqu'un du plan de route, itinéraire, détail de l'embarcation, nombre de personnes à bord, heure de retour prévue. Donc, informer quelqu'un de votre plan de match, c'est toujours utile, surtout si vous tardez à revenir et que des recherches sont nécessaires. Apporter le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur, l'hypothermie, ainsi qu'une trousse de premiers soins. Il faut aussi se méfier de l'immersion en eau froide. Respectez les autres plaisanciers et faites attention aux plus petits qui pourraient se trouver près de votre embarcation. Voilà des conseils très importants lorsque vous naviguez sur nos plans d'eau. Et on sait évidemment dans Dautré, il y a plusieurs lacs et surtout le fleuve et les îles de Berthier, donc des plans d'eau très, très achalandés. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CHRTR de Trois-Rivières, le 13 juin dernier, à 85 ans, est décédé M. Viateur Saint-Germain, époux de feu Mariette Lavoie, demeurant à Trois-Rivières. L'ont précédé ses deux sœurs Monique et Lucie, son frère Robert. Il laisse dans le deuil ses quatre filles, Luce Bruno Cormier et sa fille Émilie Cormier, Louise Gilles Gauthier, Lynn François Proux, José Steve Gélina. Sa plus grande fierté, ses six petits-fils, Anthony Gauthier, Stéphanie Nault-Lampron, Olivier Gauthier, Cassandra Paravani, Frédéric Proux, Marie-Ève Jolicoeur, Antoine Proux, Lauriane Guignard, c'est ça, Charles Tranchemontagne et Justin Gélina. Son ange gardien des dernières années, celle qui a pris soin de lui jusqu'à la fin, Brigitte Boisclair, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance pour les bons soins prodigués donc par le personnel du 4C du CHRTR à Trois-Rivières. Vous pouvez également faire un don à la Fondation Maison Carpe Diem. La famille accueillera parrain et amis mercredi le 23 juin dès 13h en l'église de Saint-Viateur. Suivront les funérailles à 13h30. Un maximum de 50 personnes pourront être présentes. À l'hôpital de Lanaudière, le 13 juin dernier, à 80 ans, est décédé M. Léonard Arsenault, demeurant à Lanoraie. Il était le fils de feu Marcel Arsenault et de feu Léonie Gasse. Il laisse dans le deuil ses sœurs Madeleine, Thérèse, Marthe, Marcel, Lorraine, Réjeanne, Élise, ainsi que leurs conjoints. Plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes et autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. À son domicile, le 14 juin dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jacques Roy, époux de France Richard, demeurant à La Veltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Stéphanie Roy, ses petits-enfants, Megan et Amy, ainsi que Marie-Claude Lepage, ses sœurs, Lisette et Suzanne Roy, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 21 juin prochain au complexe funéraire Thériault dès 13h. Le complexe est situé au 741 route Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Un maximum de 50 personnes pourra participer à la cérémonie. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 15 juin dernier, à 75 ans, est décédée Mme Gisèle Audette,
épouse de Marc Tardif, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sylvie Tardif, Mario Paquin, Alain Tardif, Sylvie Gendreau, Éric Tardif, Myriam Tremblay, ses petits-enfants, Nadia Paquin, Samuel Rivet Tardif, Maxime Paquin, Alex Rivet Tardif, Kim Paquin, Charles-Antoine Tardif, Luca Tardif, Nicolas Tardif et Clara Tardif, Joanie Réaume et Francis Réaume, ses arrière-petits-enfants, Élie Tardif, Romy Tardif, Thomas Paquin, Octavia Tardif, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Audet, feu Paul-Émile Carrier, Jean-Guy Audet, Jocelyne Deschênes, Louise Audet, feu Raymond Narcisse, Daniel Audet, Angèle Méthode, Yvette Audet, Serge Morin, Sylvie Audet, feu Pierre Garneau, Gilles Tardif, Fernande Roux, Colette Tardif, Andréo Grenier, Denis Tardif, Claudette Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par des dons pour la Société de l'Alzheimer. On va sur le site, évidemment, de l'organisme sadl.org/top-fait-un-don. Faites un don, donc, vous pouvez passer par ce site Internet. La famille accueillera parents et amis le samedi 10 juillet au complexe funéraire Thériault de Berthierville, 741 Notre-Dame, dès 11h. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. On rappelle 50 personnes maximum autorisées là, par la santé publique. Les cendres de la défunte seront déposées au columbarium du complexe. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, ça va être nuageux avec quelques petits risques d'averses, avec une température confortable de 26 degrés avec un ressenti de 29. Pour ce soir, faible pluie, température de 22 degrés avec un ressenti de 25. Et pour cette nuit, ça va être de la faible pluie, température de 18 degrés avec un ressenti de 18. Demain matin, température de 19 degrés avec un ressenti de 20. Il va y avoir des possibilités d'orage demain matin. Pour demain après-midi, 24 degrés avec un ressenti de 30 et les risques d'orage vont se continuer. Et s'il va y avoir de la pluie, ce ne sera pas très dramatique. On parle de moins d'un millimètre dans la matinée et de 1 à 3 millimètres dans l'après-midi. Les maringouins sont élevés. Les mouches noires sont en quantité faible, de même que les mouches à chevreuil. La qualité de l'air est bonne, le pollen est modéré et les rayons UV sont bas. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. Allons-y en terminant avec notre petit bilan COVID en ce 18 juin. 108 cas actifs dans la Naudière. Dans la MRC de Dautré, c'est toujours moins de 5 cas, entre 0 et 5 cas. Dans la Naudière, 4 hospitalisations, 1 personne aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable, 516 depuis le début de la pandémie et 23 329 personnes qui ont contracté la COVID-19 sont aujourd'hui rétablis là, dans la Naudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information à la Bellumère aux pépites qui vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi.